toute la Bible all the Bible nous parle de ces deux types de croyants. Tell us about those two types of believers. Les hommes d'esprit, the men of spirit, les femmes de l'esprit, the women of spirit, et les hommes et les femmes de la chair, the men and women of the flesh. Vous ne pouvez pas accepter le réveil des faux prophètes. You cannot accept the revival of the false prophets. Et refuser le réveil de l'église. And refuse the revival of the church. Chaque jour, each day, Dieu nous réveille. God wakes us à chaque fois. Every time que vous recevez une illumination en lisant la Bible, an illumination on read, but when you read the Bible, vous vous réveillez. You wake up even more. Alléluia. 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 Vous ne pouvez pas empêcher l'action de Dieu dans ce pays. You cannot keep the movement of the Holy Spirit. Dans les nations. In the nations. Vous ne pouvez pas empêcher Dieu de faire son œuvre. You cannot prevent the Lord from doing His work. Alléluia. Alléluia. Chrétiens. Christians. Ne laissez aucun ancien. Do not let any elders. Ne laissez aucun prédicateur. Do not let any preachers. Aucun pasteur. Any pastors. Aucun apôtre. Any apostle. Éteindre le feu que Dieu a allumé en vous. Quench, pull out the fire that the Lord has put in your heart. Frères, sœurs, brothers and sisters, Dieu m'a montré, God showed me, que dans son horloge, that in his clock, il nous reste très peu de temps. There's a few time left. C'est pour cela, and that's why, depuis quelques années, for the past l'Esprit years, de Dieu, the Holy Spirit, est en train de souffler un vent nouveau, is blowing a new wind, dans les nations, throughout the nations. Beaucoup de chrétiens, many Christians, commencent à prendre conscience, are realizing, commencent à réaliser, are becoming aware, que nos églises sont malades. Of the fact that our churches are sick. Autre chose. They need something else. Il y a quelque chose de fort qui arrive là. There is something strong that is arriving right now. Ne dors pas. Don't fall asleep. Regardez autour de vous. Look all around you what is going on. Vous ne sentez pas le vent de l'Esprit? Don't you feel the wind of the Holy Spirit? Dans Nombres 5, in Numbers 15, Dieu dit, in Numbers 5, God says, les lépreux, the lepers, et toute personne qui coulait du sang, and all people qui avait du sang qui coulait, a skin disease, devait être chassé dans le désert. Had to be kicked out in the desert. Pourquoi le désert? Why desert? Écoutez bien. Listen carefully. Dans Lévitique 16, in Leviticus 16, on nous dit, we are told, que deux boucs étaient utilisés, that two goats were used, pour l'expiation des enfants d'Israël. For the atonement of the children of Israel. Le premier était sacrifié. The first was sacrificed. Son corps, his dead body, était brûlé, was burned. Et son sang, and the blood, était utilisé dans le temple, dans le tabernacle, was used in the tent of meeting. Le deuxième bouc, the second goat, on lui imposait les mains. We laid hand, et on lui transférait tous les péchés du peuple. And they were transmitting all the sin of the people. Et on l'envoyait dans le désert. And he was sent to the desert. Et ce bouc-là, and this goat, on l'appelait Azazel. Was called Azazel. Azazel. No, Azazel. 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 Donc, so, ce bouc, this goat, avec tous ses péchés sur lui, with all the sins on him, tous les péchés du peuple sur lui, all the sins of the people on il him, allait rencontrer les lépreux dans le désert. He went to meet the lepers in the desert. Il fallait être un lépreux. Il fallait être un lépreux. You needed to be a leprous. Pour rencontrer le bouc Azazel dans le désert. If you wanted to meet the scapegoat Azazel. Le premier bouc, the first qui était mort, which was dead, préfigurait la mort de Yeshua, foreshadowed the death of Jesus. Le deuxième bouc, the second goat, Azazel, the scapegoat, qui était resté vivant, which was still alive, préfigurait, foreshadowed la vie, the life, la résurrection, the resurrection de Yeshua, of Jesus. Ce bouc là, this, mes goat, amis, côtoyait les lépreux dans le désert, was rubbing shoulders with the lepers in the desert. Quoi? What does that mean? Si tu restes dans le camp, if you stay in a camp, si tu restes dans le système religieux, if you stay in a religious system, tu ne peux pas rencontrer la puissance de la résurrection. You cannot meet the power of resurrection. Azazel, c'est la résurrection. Azazel stands for Azazel, resurrection. C'est la vie. Azazel is life. Azazel, frères et sœurs, brothers and sisters, c'est l'image de Yeshua, is the image of Jesus, qui va chercher les lépreux, which goes and seek the lepers, la lèpre.
The leprosy était une des maladies, was one mes amis, of the most les plus répugnantes dans le judaïsme. Was one of the most disgusting disease in Judaism. Ça va? Alléluia. Aide-nous. Frères et sœurs, brothers and sisters, tu dois être considéré comme un lépreux par les faux pasteurs. You must be considered as a leprous among the false prophets. Pour expérimenter la résurrection. In order to live resurrection. Tu dois être chassé. You must be chased. Tu dois être lapidé. You must be stoned. Tu dois être chassé de système des hommes. You must be kicked out of human systems. On doit t'exclure. They must exclude you from synagogue. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Let me tell you this one. Nous sommes, we are, à l'époque de l'église de Laodicée. At the time of the epoch of the church of Laodicea. L'église de Laodicée, the church of Laodicea, a chassé Jésus. Kicked Jesus out. Et le Seigneur frappe à la porte. And the Lord is knocking on the door. On ne lui ouvre plus la porte. And he's not opened the door. Il est hors des églises. He is shut out of the churches. Vous cherchez Jésus? You look for Jesus. Cherchez-vous Jésus? Are you seeking vous for ne Jesus? Le trouverez plus chez les baptistes. You will never ever find him in the Baptist. Ça fait longtemps qu'il a quitté l'église baptiste. He left the Baptist church a long time ago. Vous le cherchez chez les pentecôtistes? Oh, you are seeking him in the Pentecostal church. Ils sont restés avec le parler en langue. They stayed with the speaking of tongues. Jésus est sorti. Jesus left. Tell ton voisin, il est parti. Tell your neighbor he left. Non, il n'a pas entendu, il est sorti. He didn't hear. Tell him he left. Vous le cherchez dans les églises évangéliques? You are seeking him in evangelical churches. Jésus est déjà parti depuis des années. Jesus has left. No. Vous le cherchez chez les catholiques? You go seek Jesus in the Catholic. Il n'a jamais été là-dedans. He has never been there. Non, là tu m'as acclamé, je n'en veux pas. Now you, no, you clap je veux que for tu acclames Jésus de Nazareth. I want you to clap for Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Les lépreux. The lepers. On les mettait dehors. They were kicked out. Je vous dis une chose. Let me tell you this. Est-ce que vous savez que Jésus, do you know that Jesus, est venu chercher les lépreux? Came to seek the lepers. Il a dit, he said, il n'est pas venu pour les bons. He didn't say for the il good. Est venu pour les mauvais. He said, he came for pour the les evil, méchants. For the wicked. Donc si tu n'as pas encore été chassé de ton église, so if you haven't, you still haven't been kicked out of the church, pose-toi des questions. Ask yourself questions. Les Juifs les ont rejetés. The Jews rejected them. Ils les ont tués. They killed the messenger. Lapidés. Stoned them. Sciés. And saw them as le peuple a rejeté la parole. And the people rejected the word. Dieu a pleuré. God cried. Dieu a souffert. God suffered. Manassé a établi dans le temple de Dieu des prostituées. And they put in the house of God prostitutes. Manassé Manasseh a établi dans le temple de Dieu. Established in the temple des of God. Idoles d'Astarté et de Baal. The idol of Astarté and Baal. Ils ont établi des cultes, un culte orgiarque. And they les orgies. And they established a worship for worldly gods. Dans le temple de Dieu. In the temple of God. Dieu pleura. And God was crying. Dieu a souffert. God suffered. Le père était blessé. The father was wounded. Le temple était souillé. And the people were polluted. Le peuple était dans l'idolâtrie. The people were in idolatry. Ils adoraient Tammuz. They were worshiping Tammuz. Ils adoraient la reine du ciel. They were worshiping the queen of heaven. Ils adoraient Baal. They were worshiping Baal. Ils adoraient Astarté. They were worshiping Astarté. Il y avait l'homosexualité. And they were in homosexuality. Le lesbianisme. In lesbianism. Dans le temple de Dieu. In the temple of God. Les rois étaient corrompus. And the temple was corrupted. Dieu pleure. And God was crying. Dieu a pleuré, frère. God cried, brother. Dieu a gémi, frère. God groaned. Et Dieu. And God, envoie ses messagers. He sent his messenger. Ils les ont lapidés. And they stoned them. Ils se sont moqués de messagers. They refused the ils ont rejeté le message. They refused the message. Frères et sœurs, brothers and sisters, Dieu God, envoie Jérémie. Saint Jeremiah, un enfant. A child, un enfant. A baby child. Dieu dit, je t'ai établi. God took, established pour arracher. To come and pour out, arracher. To come and pull down, pour briser. To break down, pour renverser. To pull down,
pour détruire, ruiner. Jérémie n'a pas été écouté. Jeremiah cried. Dieu dit à Jérémie, God told Jeremiah, tu ne prendras pas de femme dans cette ville. You will not take a wife in this city. Dieu dit à Jérémie, God told Jeremiah, je vais envoyer une armée étrangère I am going to send strange soldiers qui viendra that will come et qui va détruire cette ville. And they will destroy this city. Les Babyloniens and the Babylonians sont venus they came avec leurs démons. With their demons. Quand Babylone arrive quelque part, when Babylon came, elle arrive avec ses démons. They came with their Babylon. Le dieu Marduk. They came with their demons. Le dieu Marduk. The god Marduk. Le dieu Baal. The god of Baal. 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 Babylon arrive. Babylon came. Babylon assiège pendant 3 ans, encercle Jérusalem. Babylon went put Jerusalem in captivity for les femmes juives. The women, les the femmes Jewish juives, women, the Jewish women, à cause de la famine, because of famine, mangeaient leurs propres enfants. They were eating their own children, faisaient cuire leurs propres enfants pour les manger. They were boiling their children and eating them. Nos églises d'aujourd'hui, our churches today, la plupart des églises, many of our churches today, sont encerclées par Babylone. They have been circled by Babylon. Il y a la famine spirituelle. And there is spiritual famine. Il n'y a plus de message. There's no message again. Les chrétiens deviennent incestueux. And many Christians have become des pasteurs angry. Couchent avec leurs filles dans la foi. And they're about to il y a l'inceste spirituel. But there is no food in the spirit. Ils sont devenus cannibales. They have become cannibals. Dès qu'il y a un riche, on le mange. Whatever comes up, they will eat. Une femme qui a une boutique, quand tu viens dans cette assemblée, on détruit son commerce. The woman that wants to start up something in the church, they destroy his commerce. Ces églises vous appauvrissent. Elles vous appauvrissent matériellement, financièrement et spirituellement. And that church becomes poor, spiritually, physically, materially. Il n'y a plus de message. There's no message again. Parce que Babylone a encerclé ces églises. Because Babylon has circled the church. Dieu. God, on l'a mis dehors. They put God aside. Telle est la conclusion there is confusion. De cette lettre adressée aux 7 églises. And the, God sent the 7 letters to 7 churches. Jésus, on l'a mis dehors. Jesus has been sent. On l'a chassé. And we chase him. On l'a expulsé. We refuse him. L'adoration véritable. And the true worship est remplacée has been replaced par l'adoration des pasteurs. By worshiping pastors. Les chantres the center sont devenus des vedettes. Has become the des stars. The stars. On vend des concerts. Where they're selling their concerts. On vend la parole de Dieu. They're selling the word of God. Le commerce est rentré dans Babylone. And business has entered la vente des livres. And now they're selling la vente des CD. They're selling the la vente des DVD. They're selling the DVD. La vente de l'huile. They're selling the oil. La vente de l'eau. They're selling water. La vente des mouchoirs. They're selling the des calendriers. They're selling the la vente, mes amis. Des vêtements. They're selling their coats. Babylone. Babylon. C'est le commerce. That is business. Babylone. Babylon. C'est l'argent. It's money. Babylone. Babylon. C'est le sexe. It's sex. Babylone. Babylon. C'est le racisme. It's racism. Babylone. Babylon. C'est le tribalisme. It's tribalism. Babylone. Babylon. C'est l'orgueil. It's Babylon, Babylon. La sorcellerie. It's witchcraft. Babylone. Babylon. C'est le péché. It's sin. On acclame Jésus, c'est pas moi. Je t'en supplie. I beg you. Je t'en supplie, chrétien. I beg you, Christian. Ne dors pas ce soir. Don't sleep. Il y a un message tonight pour les enfants de Dieu. That is a message for you. Il y a une parole pour ton éternité. That is a word for your il y a une parole pour ton éternité. That is a word for your eternity. Il y a un message pour ta vie. That is a message for your life. Il y a un message pour ton foyer. That is a message for your family. Il y a un message pour ton éternité. That is a message for your eternity. Ce soir, this is it. Satan est exposé. The devil want to les démons seront exposés. The Babylone sera écrasé. Babylon will be destroyed. Frères et sœurs, brothers and sisters, vous qui allez prier à Jérusalem, you that went to pray in Jerusalem, Apocalypse 11 nous dit, Revelation chapter 11 says, la Jérusalem actuelle, that this actual Jerusalem, la Jérusalem terrestre, this current Jerusalem, est comparée à Sodome et à Égypte, à l'Égypte. Is compared to Sodom and Egypt. On ne peut pas aller se ressourcer dans Sodome et l'Égypte. We cannot go and draw strength from Sodom and Egypt. Nous sommes du ciel. We are from heaven. Nous ne sommes pas de la terre. We are not from this nous sommes citoyens du ciel. We are citizens of heaven. Il est temps. And that's why. Il est temps. It's time de sortir. To come out. Frères et sœurs, brothers and sisters, Jérémie, Jeremiah, prophétise, prophesy, la captivité, captivity de 70 ans, of 70 years, Babylone, Babylon, a détruit les murailles,
Destroy the wall. Les murailles. The wall. C'est la ceinture. That is the belt. Les murailles. The wall. C'est l'armure du combattant de Ephésiens 6. Is the arm, is the armor of battle in Babylon. Ephesians 6. Babylon. Détruis la foi. Destroy faith. Babylon. Babylon. Détruis le bouclier. Destroy the Babylon. The shield. Babylon. Détruis la ceinture. Destroy the belt. Babylon. Babylon. Détruis les chaussures. Destroy the shoes. Babylon. Babylon. Détruis le casque du salut. Babylon. Babylon. Te déshabille. We'll take away their comme clothes. Elle a déshabillé Adam. Just like it took away, tu te retrouves nu. Adam naked. Et si les murailles sont détruites, and if the wall is destroyed, le temple est exposé. The temple is exposed. Le temple n'est plus protégé. The temple is not protected. Voilà comment Satan procède. That is how the devil begins. Il vient te séduire. If that seduces you, pour te sortir to take you out de l'armure du combattant, from the covering of your, le bouclier de la foi, and to the shield of la cuirasse de la justice, and the wall of justice. Babylon, Babylon te sort we bring you out de l'intégrité. From integrity. Babylon, Babylon te sort we bring you out du salut. From salvation. Elle met des pensées du sexe dans ton cœur. We put the thought of sex in les pensées heart. De l'argent. And the thought, la Bible dit, the Bible says, si vous êtes ressuscité avec Christ, that if Christ, pensez aux choses d'en haut. Okay, if you have been raised with Jesus, hallelujah! Hallelujah! Frères et sœurs, brothers and sisters, frères et sœurs, brothers and sisters, le temple est presque détruit. The temple was destroyed. Beaucoup de chrétiens sont blessés. And many Christians have been beaucoup de chrétiens destroyed. Pleurent. Many Christians are, beaucoup sont comme les orphelins. Many Christians are like orphans. Beaucoup sont déçus des églises. Many has been disappointed in beaucoup churches. Sortent des bâtiments. Many come out from, car c'est Babylone qui règne. Because it's Babylone that is, c'est Babylone qui domine. It's Babylone that is dominated. Et Dieu dit, but God said, mon peuple, my people, mon peuple, my people, sortez. Out. Sortez! Out. Sortez! Babylone. Hallelujah. C'est une idéologie. Babylone. Babylon. C'est une idéologie. It's an ideology. Tu peux sortir physiquement d'un bâtiment. You can come out from the physical et être building. Toujours dans Babylone au niveau de ton raisonnement, and de ton cœur. In your mind, you are still in Babylon. Hallelujah. Hallelujah. Tu peux mémoriser tous les versets. You can memorize all the Bible, all the verses. Et être dans Babylone. And still be in Babylon. Tu peux mémoriser toute la Bible, you can memorize all the Bible, et manquer d'amour and still lack love pour ton prochain, for your neighbor, pour ton frère, for your brother, pour ta soeur, for your sister, pour les étrangers. For your, Babylone, strangers, c'est Babylon, le cœur de l'homme. Is the heart of, c'est le cœur de l'homme. The heart of, c'est la mentalité pourrie. The mentality is the corrupt. Babylone. Babylon. Ce sont nos coutumes, nos traditions. Is that you have caused Dieu your dit, sortez de là. The Lord said, come out from it. Tu es étranger. You are a stranger. Tu es chrétien. You are a Christian. Tu vis au Gabon. You are living in Gabon. Tu dois commencer par aimer le Gabon. You must begin by, tu dois commencer par prier pour le Gabon. You must begin by praying. Tu dois commencer Gabon. Par respecter les lois du pays. You must begin by respecting la parole de Dieu. The word of God. La parole, the word, doit nous changer. We believe mon in peuple, it. Sortez. Come out. Sors. Sors du péché. Sors de Babylone. Sors de l'idolâtrie. Et viens, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos, Jésus a dit. Tu as trop cherché les hommes et tu es déçu. Viens à Jésus. Les personnes qui veulent abandonner le péché et recevoir le baptême, venez devant. Venez. Venez recevoir la vie éternelle. Come and receive eternal life. Si vous mourrez, vous irez au ciel directement. So that when you die, you go to heaven directly. L'enfer est désormais derrière vous. Hell is from now behind you. Dieu vous aime. God loves you. Dieu vous aime, mes frères. God loves you, my brother. Dieu vous aime. God loves you. Dieu vous aime. God loves you.
Le Père vous aime. The Father loves you. Le Père vous aime. The Father loves you. Dieu a tant aimé le monde. God so loved the world. Qu'il a envoyé son Fils unique. That he sent his beloved Son. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. And whoever believes in him will not perish. Le Père vous aime. The Father loves us. On acclame Jésus pour tous ses baptêmes. Let's clap for Jesus for all these baptisms. On acclame Jésus pour tous ses baptêmes, frère. We clap for Jesus for all these baptisms. Baptême, frère. We clap for Jesus for all these baptisms. Vous vous rappelez d'elle? Do you remember her? Ceux qui ont suivi à Nantes. Those who saw the program in Nantes. Le programme de réveil. The revival program. Qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur Tatiana? What happened? And from this day, I've been in hospital and I stayed 2 weeks in the Saumur hospital. Ils ont fait les IRM, les scanners, ils ne trouvaient rien du tout. These scanners, they didn't find anything. Il y avait une enzyme qui était à 22 000 dans le sang et qui devait être normalement dans les 300 ou 400. J'étais à 22 000, le taux de cette enzyme. Ensuite, ils m'ont transféré dans un autre hôpital à Angers. Then they transferred me to another hospital in Angers. Où ils ont dû me faire une biopsie. And where I had to have a biopsy. Biopsy. Mm-hmm. Et là, ils sont, le médecin est venu me dire, tous vos muscles, les fibres musculaires sont nécrosées, c'est mort. And the doctors came to tell me, all your muscles are fossilized, it's dead. Dead, voilà. Donc, et entre-temps, tout descendait, j'arrivais plus à lever le bras, j'arrivais plus à lever les jambes, tous les jours je dégradais. And in the meantime, everything was going down. I couldn't lift up my arms, I couldn't walk. Je pouvais pas, j'avais tous les muscles lâchés. All my muscles lose out. Complètement. Gave out. Donc, completely. Il n'y avait plus de vie dans les muscles, je pouvais pas lever la jambe. No more life in the muscles. I couldn't lift up my leg. On me portait, on me mettait du lit, on me mettait dans le fauteuil. Pour me donner la douche, j'étais assise. Donc, c'était la mort complète. It was really complete death. Mais Jésus est vivant. But Jesus is alive. Amen. Amen. Jésus est vivant. Jesus is alive. Alors, il y a eu le programme du 19 septembre. So, they had this program of September 19th. Et j'ai demandé une permission de 24 heures. And I asked a permission of 24 hours. Parce que j'étais fatiguée dans cette petite chambre. J'ai demandé la permission, ils me l'ont accordé. Because I was tired in these tiny rooms, I asked the permission and they gave it to me. Amen. Amen. Et je suis allée au programme. And I went to the program. Et je criais à Dieu. I was crying out to the Lord. Je criais à Dieu, je disais je comprends pas ce qui se passe. I was crying to the Lord, I don't understand what is happening, God. Je n'avais que la voix, mon corps était mort. I didn't have any voice, my body was dead. Tout le ventre était enflé parce que même les muscles intérieurs avaient lâché, tout avait lâché. All my belly was swollen because even the muscles inside released. Et les médecins m'avaient dit c'est le fauteuil roulant. And the doctors told me it was the wheelchair. Alors à ce programme le Seigneur s'est encore glorifié. And in this program the Lord glorified himself. Amen. Amen. La puissance de la résurrection était là. The power of resurrection was there. Amen. Amen. Wow. Le Seigneur m'a visité. God visited me. Il m'a ressuscité. He resurrected me. Il a donné la vie à mes muscles. He gave me life. Voilà. Il a donné la vie à mes fibres musculaires. He gave life to my muscles, fibers. Je suis vivant. Jesus is alive. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus is alive. Allez, remonte, sors. Je vous le dis, je ne marchais pas. J'appelais pour qu'on me tourne. I'm telling you. I'm telling you, I couldn't walk. I had to call somebody so that I could turn on the side. On devait couper ma nourriture. They had to cut my food. Mais quand Jésus a fait son entrée, but when Jesus entered, il est vivant. He is alive. Il est vivant. He is alive. Il est ressuscité. He is risen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Regardez à Jésus. Look to Jesus. Il est ma délivrance. Jésus. He is my deliverance. Jésus. Mon salut. And my Jésus. Salvation. Jésus. De ma vie. And the love of my life. Il me l'a encore démontré. Il est vivant. He is alive. Il est vivant. He is alive. Le ressuscité. He is risen. Alléluia. 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 Regardez à Jésus. Look to Jesus. Il est ma délivrance. He is my deliverance. Et mon salut. And my salvation. Et l'amour de ma vie. And the love of my life. Il me l'a encore démontré. He can also show. C'est celui qui combat pour nous. He is the one who fight for us. Quelle que soit la condamnation des hommes. Whatever men. Jésus au-dessus. Whatever man's condemnation, God is above. Il a voulu que je passe cette épreuve. He wanted me to go through this trial. Mais je bénis le Seigneur qui m'a fortifié chaque jour. But I bless the Lord who strengthened me every day. Tous les jours, il était là à mes côtés. Every day he was there by my side. Amen. Amen. Même s'il y a des vagues, même s'il y a la tornade, Jésus est vivant. Even if you have waves, even if you have tornadoes, Jesus is alive. Croyez-en, quoi qu'il arrive, le psaume 62 dit, quoi qu'il arrive, Jésus, le Seigneur est là pour nous. Il est notre salut, il est notre délivrance, il est celui qui combat pour nous. He is the one who fights for us. Believe. Le Seigneur l'a guéri d'un cancer. Cancer d'intestin. Qu'est-ce qui se passe? Merci tout d'abord pour la parole. J'ai rends grâce à l'Éternel puisque c'est qui a fait dans ma vie. Donc, j'étais déjà quelqu'un qui est mort. J'étais tout près de la tombe, puisque j'étais au coma. Et puis, je partais tout le temps pour la consultation, chaque 6 mois. Pour cette semaine passée, quand je suis allé, ils ont vérifié, ils ont dit que tu as encore des cancers. Alors j'ai dit au docteur, donc ça suffit, je ne vais pas encore des opérations puisque c'était très dur pour moi. Je ne vais pas encore des choses comme ça, c'est pour cela donc je vais laisser Dieu l'Éternel va agir. Alors le docteur a dit, donc ce n'est pas la peine, c'est nous qui va aider Dieu. Moi j'ai dit non, notre Dieu, c'est personne ne peut aider Dieu, c'est Dieu qui aide. Donc le docteur a dit qu'il allait aider le Seigneur. Oui, wow. Moi j'ai dit c'est pas toi, c'est Dieu qui va t'aider, mais... C'est pas la peine puisque je vais pas aller à l'hôpital pour l'opération. Alors dans ma tête, j'ai déjà planifié que je vais aller en France pour la délivrance. Puisque je vis la main de Dieu, je vis dans des cassettes de vie et puis je vis la grandeur de Dieu ici et je dis bon, moi je vais aller en France, pas à l'hôpital. Alors le lendemain, donc j'ai pris les transports, je suis venu jusqu'ici le samedi là. L'apôtre a commencé à prier pour les gens. J'attendais jusqu'à ce qu'il va appeler les gens qui ont des cancers. Quand il a appelé les gens du cancer, j'étais passé, j'étais ici. Il a prié, puis je suis retourné en Allemagne. Je suis retourné à l'hôpital, et puis directement, l'hôpital, ils ont envoyé une lettre chez le médecin pour dire qu'on a besoin de ce monsieur, il faut qu'il vienne ici. On va lui opérer. C'est pas l'opération, mais je vais aller là pour qu'ils voient que je suis pas malade. Amen. Et puis ils m'ont dit non, 3 jours tu peux pas manger. Ils m'ont envoyé des médicaments pour prendre, pour nettoyer le ventre. Et puis un cancer d'intestin. Ouais. J'ai pris les médicaments pendant 3 jours, j'ai pas mangé. Quand je suis allé, ils m'ont laissé là pendant longtemps. Et puis quand ils ont vérifié, il y a rien. Ils ont mis leur caméra dans le ventre, il y a rien. Je n'ai pas de cancer. Je suis totalement guéri. Alléluia! Wow! L'épreuve médicale, parce que c'est ce que nous voulons. Hein. Wow! Thank you.
c'est quoi ce que tu as à la main là? Le truc là, je portais ça comme ça, puisque les intestins c'était dehors. Ouais. Donc chaque deux jours, il faut que je change. Je fais sortir les intestins, je fais ça ici, dans les trous. Et puis je mets un sac que je portais pendant une année. Donc tout ce que j'ai mangé, ça va entrer dans le sac. Alors, c'est pour cela. Montre-la à la caméra, là, que les frères et sœurs chez eux voient. C'est toi-même qui sortais tes intestins. Chaque deux jours, pendant une année. Waouh! Je mets ça dans les trous là. Pour tout ce que j'ai mangé, ça va entrer là-bas. Là, normalement, tout fonctionne là. Très bien. Je suis totalement guéri. Plus jamais ça dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est bon. Waouh. Non mais c'est... Vous vous rendez compte de ce que Jésus fait? Je fais au moins, après je aurai, c'est pas 10 ans? C'est pas 10 ans. C'est depuis quelle année exactement? Je peux dire 19 ans. 19 ans de sida. Oh! Et wow. Moi, je prenais seulement les médicaments, je priais Dieu, je craignais Dieu. Le problème qui est là, moi je vis avec du sida et mon mari n'a pas de sida. Est-ce que vous allez comprendre ça? Alors, on a fait des examens, je prenais les médicaments que vous voyez là. Trithérapie, là. Et ce médicament-là, je vous dis, c'est plus que poison. Si tu prends ça, je ne sais pas comment je vais vous expliquer la façon que ça va te faire, donc inexplicable. Et c'était mon beau-frère qui était venu ici, il était guéri du cancer, je sais si vous... Vous vous souvenez? Il est là dehors, Dieu l'a guéri. Il est aussi dehors. D'un cancer d'intestin. Lorsqu'elle était venue, normalement, elle me disait les choses là, moi je ne comprends pas. Je dis, quoi? Dieu t'a guéri, oh, j'étais partie à France. Moi, je dis, mais elle ne savait pas que j'avais un problème avec moi parce que j'ai gardé cette maladie avec mon mari seulement. Même mes enfants, je ne connais pas. J'ai deux jeunes filles. Et c'est vraiment comme je témoigne là, on a gardé seulement le secret, moi et mon mari. Il n'y a personne à part Dieu et mon mari. Moi, je pense, non. Moi, le problème, je ne savais pas que j'avais fait un V. Le V, c'était quoi? Moi, je dis, Seigneur, tu vois, ma foi d'abord. Et tu vois le médicament que j'ai abandonné. Et moi, le problème, ce n'est pas Frachora. C'est pas Frère Kingani, c'est toi, je vais comme maman Carmel, face à face. Amen. Yeah. Alléluia. Et les jours là, moi, Frère Chora ne me connaît pas. Et ma vie, c'est meilleure. Uh-huh. C'est pas où nous. Si. Et j'arrive là, la personne qui m'accompagnait là, elle m'a découragée. Oh, tu as quitté l'Allemagne. Il n'y a même pas Frère Chora. Écoute, toi Lily. Écoute-moi d'abord. Moi, je t'ai dit que je suis venu pour Frachor. Avant tout, je t'avais dit que moi, je suis venu pour raconter Dieu face à face. Et mon âme sera sauvée. Ma maladie, ça va quitter ici. La façon que moi, je vois là, des témoignages vivants là. Non. Mais moi, je vous dis que vous avez un Dieu ici. Oh! Écoutez. Je viens pour glorifier. Je suis pas venu pour glorifier un homme. Je suis venu glorifier le Dieu de tout puissant Jésus-Christ de Nazareth. Mon problème, c'était quoi? De venir ici. Je me suis assis là. Tu vois le frère là? Mm-hmm. Hein? Il y avait une maman, une soeur là blanche, elle était castard là. Uh-huh. Moi, j'étais derrière. Uh-huh. Et je vis. Pendant l'adoration. Oh, pendant seulement l'adoration, il y avait une frère. Je me suis rendu compte que le nom de frère là, c'était frère Sylvain. Mm-hmm. C'est quand je suis rentré. Mais quand frère priait, prêchait, c'est mal l'adoration que j'ai vu une lumière là. Je n'ai jamais, dans ma vie, je n'ai jamais vu ça. Wow. Venait comme ça, là où j'étais, la lumière est apparue. Moi, je dis, waouh, mais c'est quoi ça au geste?
Et en fait, j'ai commencé à trembler. Ils m'ont dit, mais il faut t'arrêter là. Mais c'est quoi ça? Mais les gens là vont te voir comment? J'ai commencé à faire comme ça. Après, j'ai tremblé. La lumière, ça a été vraiment très fort. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Elle est venue juste sur toi comme ça. Et moi, comme ça. Là. Wow. Après, une colonne quoi, une colonne de feu. J'avais besoin de faire un petit besoin là. Ça chauffait là, comme je venais de l'Allemagne. Moi, demain, là, il faut que je sors. Je suis sortie. En sortant là, il y a un frère qui est Julien. Il y a une maman qui me dit, ah, tu viens de l'Allemagne. Elle m'a dit, ça va pas, si vous pouvez m'aider, pardon, je viens de loin. Elle a dit, laisse-la. Mais de toute façon, il faut aller chez cette frère là et tu lui dis ton problème parce que tu viens de loin. Elle m'a dit, ah, celui-là, il connaît même pas mon cas. Je vais partir chez frère là. Laisse le frère tranquille. Mm-hmm. Moi, je suis déjà guéri. Amen. Et le frère Julien là, c'est frère Julien. Mm-hmm. Il vient à côté de moi. Ma soeur, ça va? On dit, ça va bien. Ah, tu viens de l'Allemagne? Je dis, oui, je viens de l'Allemagne. Ah bon? Ah, j'ai sauté d'abord. Ah, non, c'est bien. Et puis, il dit, mais comment tu as trouvé l'adoration? Wouh! Chez nous, on dit picobello. Donc, c'est fantastique. Uh-huh. En allemand, on dit picobello. On dit, picobello. Wow, picobello. Mm-hmm. Ah bon, c'est bien là, moi, c'est tellement que ici vous avez la liberté, mon frère. Vous savez, vous avez un Dieu libre. Je ne suis pas là pour faire les songi-songi, hein. On gère, m'arrête là. Ok. Et comme je suis rentré, on devait faire la délivrance là. Uh-huh. Il y avait un frère clair là, Simon. Je ne connais pas. Ouais. Le frère me dit. Viens. Moi, je dis de toute façon, moi, je suis déjà gay. Ah. Le frère me demande, ma soeur, tu es mariée? Moi, je dis oui. De quoi tu souffres? Moi, je dis, je suis condamnée. Condamnée de quoi? De sida! Ah bon? Ok. Elle a fait la prière. Elle me dit, soeur, va refaire ton examen. Moi, je dis, ok. Écoutez-moi bien. J'étais ici le 1er octobre. Si vous voyez. Novembre. Elle est arrivée le 30 octobre, mmh. Vendredi. Le lendemain, samedi 1er novembre, mmh. Elle est venue au programme. Je suis venue au programme. Après, comme le frère a terminé, moi je suis rentrée. J'avais le rendez-vous chez mon médecin le 17 novembre. Voyez là. Et quand j'arrive chez le médecin me demande, parce qu'elle est ma copine, comme ma copine là. Elle me dit, Dada, oui. Mais waouh! Comment tu es devenu? Et mon carnet là, c'est gros comme ça. Ton dossier? Mon dossier là. Quand il l'a ouvert, il a dit, mais c'est quoi ça? On dit, mais quoi? Elle dit, mais c'est vous négatif? Oh! Mais. Wow! Ça, c'est le premier examen, ça. Premier examen. Elle ne m'a même pas consulté. Elle m'a dit, mais dada, c'est du sérieux, là. Attends. Toi, tu étais parti chez le médecin. Elle dit, hein? Moi, je ne comprends pas. Je dis, qu'est-ce que tu dis? Elle dit, si je suis parti chez le médecin, elle dit, mais c'est toi, mon médecin consultant. Après, au-dedans de moi, parce que je lui parle seulement, mon docteur, là, je lui parle toujours de Jésus. Après, au-dedans de moi, dit Jésus. Moi, je dis, oh, de toute façon, moi, je te dis que moi, j'ai pris, hein. Mais je suis partie chez Jésus. Elle dit, ton histoire avec Jésus, là, mais moi, je te parle de sérieux. Moi, je comprends plus rien. Mais c'est quoi ce juste? Mais toi, dis-moi la vérité. Tu n'étais pas allé chez notre médecin, ton médecin de la maison. Moi, je dis, non. Mais moi, je te dis que moi, je suis un enfant de Dieu. Mm-hmm. Moi, j'ai pris. Mm-hmm. Ce que tu vois là, c'est Jésus. Mm-hmm. Elle dit, mais, dada, je t'aime beaucoup. Je te conseille. Parce que ce que je vois là, c'est le médecin a plus de 10 ans que je suis après 3 mois. Qu'elle te suit. Qu'elle me suit là. Elle est devenue folle. Elle touche là, elle touche là. Moi, elle dit, mais dada, je te conseille, s'il te plaît, je ne veux pas te perdre. Va encore, prenez un peu de médicaments. Va d'abord au labo. On va encore, moi, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez là, il y a des taches là. Ils ont pris encore un prélèvement de sang. Ils ont pris, moi, de toute façon, les taches là, c'est le sang là, c'est Jésus même. Mm-hmm. Va d'abord. Hein? Quand elle a terminé, elle a dit, il faut continuer avec les médicaments. Moi, comme tu me vois là, je ne prends rien du tout. Mais non, tu vas mourir, il faut prendre. Ah, de toute façon, moi, je ne vais pas. Hein?
Je suis allée maintenant, il y a un autre examen. Elle va faire un deuxième examen. Deuxième examen de moi-même. Moi, quand il a dit, j'aille voir le médecin, tu sais que quelque chose a sonné chez moi. Elle m'a dit, non, il faut que je saute de l'autre côté. Mm-hmm. Je suis maintenant partie chez mon médecin de la maison. Ça, c'est un professeur. Et le professeur, moi, j'ai dit, je l'appelle, là, il m'a dit, professeur, moi, je vais venir faire un autre test. Elle a dit, ben, venez. Ça, c'était quand? La tête est là, le 2. Et j'ai eu les résultats, les 4. Le 2 décembre de ce mois-ci. Mm-hmm. Et tu as eu le résultat aujourd'hui, deux jours après, donc oui. Le 4. Et quand vous m'appelez, là, le frère Mike m'appelait, là, j'ai sorti du laboratoire. Waouh, avec le résultat. Le docteur, là, il commence à gratter. Lui, le professeur gratte la tête. Gratte la tête. Mais il se gratte la tête. Mais je ne comprends pas. Mais madame, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comprends pas quoi? Mais tout est... Tiens, tu n'as rien, mon dieu. Moi, j'ai quoi? Et j'appelle mon mari. Alors, j'ai sauté même. J'ai dit à mon mari, tu veux m'accompagner? Comme elle sait que... Le résultat, ça sera... Positif. Séropositif. Elle dit, non. Ton dieu, là, il faut aller. Seulement. Toi, tu pries, tu parles bien l'allemand. Vas-y. Moi, je dis, ah, les hommes de paix des fois. Moi, de façon... J'ai pris ma route. Uh-huh. Et en sortant des laboratoires, j'ai dit, chez nous, chat, c'est chéri. J'appelle, chat, c'est OK. Elle dit, quoi? Mais il faut avoir les preuves. Elle dit, mais tout est là. Monsieur Adim, vous venez de 3 pour qu'on se fixe pour l'opération. D'accord. Les 3, je suis parti voir le médecin à l'hôpital de Montfermeil. Mm-hmm. J'arrive dans son bureau. Il commence à chercher mon dossier. Mon dossier, on ne trouve pas. Waouh. Chaque fois quand je viens ici, le dossier est toujours sur la table. Mais les 3, ils cherchent le dossier. Il commence à me donner le nom des autres patients. Il me dit, mais non, ce n'est pas mon nom. Il m'a donné 4 noms, mais ce n'est pas mon nom, c'est Dimon Ekene. Ce n'est pas me donner d'autres noms, ce n'est pas les miens. Le micro prend de la bouche parce que les gens... Oui, c'est les noms que tu m'as donné, ce n'est pas les miens. Mm-hmm. Moi, je m'appelle Dimon Ekene, pas un autre nom. Mm-hmm. Hein? La secrétaire, elle prend tous les dossiers de patients de tous ces jours-là. Mm-hmm. Donc moi, quand j'arrive, le médecin n'a pas trouvé les dossiers, dans un premier temps. Il me dit, mais tu es venu pour quoi? Je dis, mais tu m'avais dit que je venais les 3 pour se fixer. Parce qu'il voulait m'opérer d'urgence. De la prostate. J'ai dit, mais moi, je dis, non, je vais voir, parce que moi, j'ai un frère qui est son médecin. Mm-hmm. Mon petit fils, j'ai appelé, oui, mais on m'a appris, on a trouvé un cancer de prostate chez moi. Il faut qu'on m'opère. Il m'a dit, non, envoyez-moi le dossier. Mm-hmm. J'ai fait des photocopies et j'ai envoyé chez mon petit frère. Mon petit frère, il a regardé le dossier. Il a dit, bon, mais mon grand, tu es condamné d'être opéré. On n'a pas d'autre choix. Ok. Il m'a demandé de les rendez-vous, c'est quand? Je dis, bon, les 3, je partirai pour prendre un rendez-vous quand que je peux m'opérer. Les 3, j'étais parti. Et quand je suis arrivé, les dossiers, on ne trouve pas. Il a cherché, le dossier, il n'a pas trouvé. Il a dit, mais ton nom, c'est quoi? J'ai lui donné tous les noms. Chaque fois, il me demande le nom, c'est quoi? Il me donne, mais c'est la première fois que je vois ça. Chaque fois que j'arrive, le nom directement, tu me donnes les dossiers, mais aujourd'hui, les noms, on ne trouve pas. Mm-hmm. Les dossiers n'est pas trouvé. Après, il a dit, bon, mais donne-moi ton nom. J'ai donné mon nom. Il est rentré dans l'ordinateur. Quand il est rentré dans l'ordinateur, il dit, bon, je devrais t'opérer. Mais oui. Pour un cancer. Mais oui. Non. Il dit non. Il a dit non. J'ai dit, non, mais j'ai un dossier. J'ai un dossier à la maison. Alors, j'ai appelé mon petit frère, s'il passe. Je l'ai mis en contact avec mon petit frère, comme lui, il est médecin. Mm-hmm. Il commence à dire, mais non, je ne sais pas pourquoi je vais opérer, mais le monsieur, je ne trouve pas un cancer. Il n'y a plus de cancer. Non. Attends. Quand tu es venu me voir dans le bureau, oui? C'était quand? C'était mardi passé. Mardi passé. Oui. On est samedi. C'était ce mardi. Et ce médecin, tu l'as vu quand? Le jeudi. Jeudi. Hein? Quand tu es venu avec ta future épouse,
Tu as bien dit, tu m'as bien dit que tu avais le cancer de prostate. Oui. Bon, tu m'as dit que tu avais le cancer de prostate. Hein? Et le Seigneur m'a poussé à te dire quelque chose. Je te dis quoi? Il m'a dit que... Non, non, le micro président, s'il te plaît, mon frère. Parce que les gens sont excités chez eux. Dieu m'a mis une parole pour toi. Qu'est-ce que je dis? Donc, tu voulais encore... Tu t'en rappelles, non, ou pas? Pas trop. Pas trop. Je te dis que tout était OK. Oui, mais oui, madame, vous m'avez dit que tout est OK, ne t'en fais pas de ça. Oui. Dit que, moi, je voulais que vous me bénissiez encore de nouveau. Ah bah oui. Mais je dis non. Il voulait une deuxième imposition des mains. Je dis non. Ce n'est pas une cure. Alléluia. Samedi, il était là. On avait prié pour lui devant tout le monde. Je ne sais pas si vous avez, vous rappelez. Samedi. Je fais mon deuxième tour. Il a fait le deuxième tour. Oh, je dis, mais attends. Mais ça, c'est de la gourmandise, là. C'est quoi ça? Alléluia. Il est venu une fois. On a prié. Une deuxième fois. Oula. Et le mardi, je le vois. On n'avait pas rendez-vous. Hein. C'est ça. Hein. Oui. Je le vois. On avait rendez-vous mardi. Oui. Mardi, je le vois venir avec une dame. Je me dis, est-ce qu'on avait rendez-vous? Oui, samedi, tu m'as dit. Ok, j'avais oublié. Et puis, on discute. À la fin, il me dit, il voulait encore une prière. Je dis, mais non, tout est ok. Oh. Mais, donc, plus d'opération. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cancer. Non, il m'a dit qu'il n'y a plus rien. Il t'a dit qu'il n'y a plus de cancer. Non, il m'a dit que maintenant, tu n'as rien. Il n'y a plus de cancer. Non, il m'a dit qu'il n'y en a pas. Oh! Alléluia!